Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir mon premier rallye détection. Donc je suis partie dans le nord, qu'est-ce que j'ai foutu à 6h de chez moi à partir comme ça dans le nord pour une seule journée. Et ben, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous faire une petite partie un peu vlog, j'ai tourné quelques vidéos mais pas beaucoup. C'est pour ça que je fais aussi cet aspect un peu de présentation. Je vais vous dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai vécu. Et vous allez aussi voir les trouvailles, 2-3 trucs comme ça, l'ambiance. Je vais en discuter un peu et voilà, donc voilà, c'est tout. Vous aurez aussi bientôt un rallye, je sais pas si je ferai la même chose ou si je ferai que en vlog. Donc un rallye en Haute-Marne et peut-être, je suis en train de négocier, en Belgique. Donc voilà, Belgique, ça va être la première pour moi. Donc ça, let's go hein quoi. Donc le premier, comment ça s'est déroulé? Déjà, allons au tout début. Comment j'en suis arrivée à partir à 6h dans le nord. Donc c'est très simple, on m'a dit qu'il y avait des rallyes, donc moi qu'est-ce que je fais? Je m'inscris à un rallye, mais on m'a dit ils pensaient que c'était dans le coin, ils pensaient, voilà. Donc j'ai été m'inscrire et seulement après j'ai reçu l'inscription et j'ai vu Warvin, je sais pas comment on dit. Et du coup voilà, je suis partie à Warvin. Et du coup 6h de route. Alors je suis partie le vendredi à 14h30. Je vous laisse avec la vidéo. Yo tout le monde, c'est Lonique, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a le bruit du moteur, je tarde pas trop. On a plus de 6h de route pour aller dans le nord, le 59, aller faire un rallye détection. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi. C'est ma première fois, ça sera peut-être la première pour vous aussi en vidéo, donc voilà. Je vous souhaite bonne vidéo et c'est parti, let's go. Ensuite, je suis arrivée sur place, il devait être à peu près 21h. Je suis arrivée en fait à un endroit, j'ai même pas tapé l'adresse, j'avais vu les tentes au loin avec un peu de lumière. J'y ai été pour voir comment ça se passait et tout, où je pouvais dormir. Et ils m'ont dit qu'il y avait un endroit pour les caravanes, donc j'y ai été. Bon, cette partie là je l'ai pas filmée parce que franchement t'arrives avec une caméra là, avec des gens, bon c'est un peu bizarre. Je sais pas, j'ai pas encore l'habitude donc voilà, c'est pour ça. Donc j'arrive à cet endroit avec des camping-cars et là je vais demander c'est bien ici pour la détection. Et là on commence à me parler et tout, niveau ambiance c'était génial. Je n'avais pas mangé, qu'est-ce qu'on fait? On me propose une pizza. Merci, vous me reconnaîtront parce qu'il y en a qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc ils me proposaient une pizza, au début je suis un peu hésitante mais au final ça passe. Et du coup elle était très bonne cette 4 fromages. Du coup on discute un peu parce que c'est des Belges et du coup eux c'est pas la même c'est pas la même loi en détection. Donc voilà, on discute de détection, de passionnés, on était passionnés quoi, à discuter. Bon, je tarde pas trop non plus à aller au dodo parce que je m'étais levée à 6h pour aller au travail, 5h pour aller au travail à 6. Et je n'avais pas dormi donc je suis partie au dodo dans ma camionnette. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose mais on est arrivé à Wavrin. On est avec tous les autres. Donc ceux qui sont venus la veille pour dormir. Je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose. Voilà, donc là on va aller au lit, il est 21h53, je suis arrivée il y a 20 minutes quoi. Et c'est parti, bonne nuit et à demain. Ensuite, petit réveil le matin. 6h30 du mat, on prépare le matos et rendez-vous dans le champ à 7h. Allez, avec la chaise. Let's go. Et on me propose de mettre des bottes. Heureusement que j'avais mes bottes, je les avais pris, j'étais pas sûre mais je me suis dit on prend les bottes au cas où qu'il pleuve, des trucs comme ça, voilà. Et du coup on m'a conseillé de prendre les bottes et j'ai bien fait, voilà. Mais j'avais une dégaine de ouf en short et bottes, mais ça on s'en fout le temps qu'on s'amuse. Alors là on est direction le champ, on est à 1 km à peu près, c'est là-bas, voilà. La dégaine de fou malade, on m'a conseillé de mettre des bottes, donc je suis en bottes et shorts aujourd'hui. Voilà. Donc let's go dans le champ. Hein. Je vous retrouve là-bas. Et puis voilà, premier vague, désolé, c'est pas ouf. Donc arrivé là-bas, déjà on a dû marcher quelques kilomètres. Bon, pas beaucoup.
on s'en fiche, avec le matos. Arrivé là-bas, il y avait déjà beaucoup de monde. Le chien. Arrivé là-bas, il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait deux tentes. Je sais pas si j'ai pris des photos. Et, du coup, bah, on faisait une queue pour avoir des petits tickets. Je vais le chercher. Ils nous ont mis un ticket bah, pour le repas du midi, un petit ticket bleu tombola, voilà, et un bracelet orange, voilà, j'ai trouvé le numéro 70. Et ça, bah, je m'expliquerai plus tard dans la vidéo, voilà. Donc, ensuite, donc ce rallye était organisé par 59 degrés de détection que vous pouvez trouver sur les réseaux internet, Facebook et YouTube, les autres je sais pas, mais il y a déjà ceux-là, c'est déjà bien. Et il était sponsorisé par détecteur.fr. Donc on envoie les détecteurs, il est 8h30 alors qu'on avait commencé à 7h, bah, qu'on devait être là pour 7h, on démarre à 8h30 après avoir pris un petit déjeuner. On avait le droit à du café, café au lait, malheureusement il n'y avait pas de jus d'orange ou de lait, peut-être pour une prochaine fois, allez l'année prochaine si tu regardes cette vidéo. Ouais, parce que moi je suis pas café du tout, voilà. Mais on va pas chipoter pour ça. Et on avait le droit à un croissant nature, un croissant choco, c'était génial. Petit déjeuner au calme, tranquille. Donc voilà, ensuite bah du coup on va dans le champ, tout le monde en ligne, détecteur à la main, en l'air. Et il commence, il lance le go. Donc je m'étais fait un ami aussi, où qu'on a pas mal discuté, voilà. Donc il était à côté de moi, il détecte, on a trouvé des pièces, elles étaient juste à la surface. Donc je sais pas si elles avaient été remontées ou s'ils les ont juste rangées comme ça. J'en ai eu des plus profondes, mais voilà. Donc je vous laisse avec les images des trouvailles. C'est au même endroit. Ah bah s'il y a même plus à creuser. 5 francs belges. Bon bah encore une. Voilà. On continue. Je le mets ou quoi? Merde. C'est là. C'est dans ma main. Hop là, toujours dans le fond, là je viens de trouver une petite balle. Je sais pas si c'est une balle de mousquet, mais ça a pas l'air. C'est noir. Je sais pas ce que c'est. Ah merde, encore une. C'est la deuxième. Un petit truc qui fait pas partie du rallye. Ça c'est cool. Je sais pas, je pense à un bouton. On va pas plus frotter que ça. Voilà. Génial. Voilà, on continue. Une troisième pièce. Hop là. Bon, une chanson plus. Belgique. C'est tous de Belgique, je crois. Allez, on continue. On est sur une petite monnaie. Je pense qu'elle est rincée. Je vais pas plus la frotter. Voilà. Un petit bouton.
Voilà. Un de plus. Donc voilà, j'ai fait pas mal de trouvailles. Et après, il était déjà 12h30. Je regarde mon truc. Déjà 12h30, ça passe vachement vite. Il y avait que 5 heures de détection, si je me trompe pas. Après, on va au stand. Et du coup, on montre ce qu'on a trouvé. Et ils disent si t'as le droit à un lot. Il y avait des clés, des cœurs, des pièces, une boîte à trésors. Et il y en a pas mal qui ont tout trouvé, la boîte à trésors elle était trouvée, les clés aussi et le cœur aussi. Donc après t'avais des lots, des pièces en argent pour certaines clés, des trucs comme ça, voilà. Donc moi j'avais que 3 pièces à faire partie du jeu, du coup je suis quand même contente, j'ai gagné un petit maillot, ça fait toujours plaisir. De toute façon tu viens pas pour ça, tu viens surtout pour t'amuser et pour l'ambiance. Bon, il y en a qui viennent des fois pour les lots, c'est sûr. Tu espères quand même gagner un petit truc à la fin, mais il y en a qui espèrent plus. Mais moi, en vrai, j'y allais pour m'amuser, même celui que je vais faire là bientôt, c'est vraiment que pour du kiff. Et je vous fais des vidéos en même temps pour vous partager, et c'est ça que je kiffe surtout. Voilà, c'est pour ça que j'y vais, c'est pour partager avec tout le monde. Que ce soit avec les gens au rallye ou les gens en vidéo, vous mes très chers abonnés, voilà. Donc le petit maillot que j'ai gagné. Voilà, petit maillot noir avec écrit détecteur expert aventurier depuis toujours. Il est pas mal, voilà. Simple, mais pas mal. En rapport avec la passion, c'est ça qu'on aime. J'arriverai à mettre des photos, on verra bien. Bon, j'arrête de marcher. Il fait des petits tic tic tic, c'est le chien, faut pas chercher. Ensuite, du coup, après avoir récupéré mon lot, je rejoins mon petit groupe que j'avais fait connaissance la veille. Donc, c'est des Belges et ils ont une sorte d'assos. Donc, c'est une association. Donc, après-midi, après avoir récupéré mon petit t-shirt, je rejoins le groupe dont j'avais fait connaissance la veille. Et en fait, ils étaient plus que ce que j'avais vu la veille. Donc, je mets pas de photos parce que j'en ai pas pris. Mais sinon, si vous voulez faire partie d'une association en Belgique de détection, ils ont même un rallye de détection. Juste là, j'ai un petit papier. C'est celui-là, donc je vous parlais. Voilà. Si vous êtes intéressé, c'est bientôt, c'est dans quelques semaines. Ah, mon PC s'est allumé, yes. Hop. Donc c'est bientôt. Et du coup, voici petite vidéo de leur site internet. Voilà. Ils ont été super sympas de m'accueillir, on a pas mal discuté, c'était génial. Donc il arrive l'heure du repas. L'heure du repas, du coup c'était un barbecue, t'avais un sandwich, t'avais le droit des saucisses. Il y avait une grosse queue, par contre ça c'était chiant. j'ai pris les derniers parce que je suis passée en dernière parce que j'avais pas envie de faire la queue. Il y avait du soleil, ça tapait fort, t'avais pas envie de faire la queue quoi. Et du coup je suis passée en dernière. Ils avaient fait des saucisses, des poivrons cuits, tu pouvais mettre des tomates, c'était sympa, c'était un barbecue simple, classique, qui fait le taf, voilà. Donc après avoir mangé, ils ont organisé un petit jeu. Alors Malik, si je me trompe pas, il a donné des jetons à tout le monde. Je vous ai donné un petit jeton de couleur, allons messieurs. Je vous ai donné un petit jeton de couleur. On va faire un petit jeu ensemble. Le jeu, il est simple. Je vais trouver une table, je vais vous la mettre là. Je vais poser un tapis avec 2 dés. Si vous faites un double dé, un double, tout simplement, si vous faites un double, vous gagnez un lot. Ça va pour vous? Donc, il annonce que c'est un jeu. Un jeu où il faut faire un double avec des dés. Et tu gagnes un an à Détect Passion, si je me trompe pas, c'est un magazine, un truc comme ça. Voilà. Et tous les lots étaient remportés. Et du coup, après, ils ont offert des bonnets pour ceux qui faisaient des doubles. C'est qui a fait un double? Un double 6, alors que je n'ai jamais de chance au Monopoly. Qui fait des doubles? Qui arrive à faire des doubles pour sortir de prison au Monopoly? Personne. Surtout, pas moi. Et là, je lance. Vous avez la vidéo en plus. Ah, double 3, allez, c'est gagné. Amonie Minella, bien joué, poteau. Allez, mademoiselle.
Un double 6 pour mademoiselle avec merci le petit bonnet. Je lance les dés et bam, un double 6. Donc, petit bonnet Minella, voilà. Cali. Voilà, je l'ai mis sur ma tête. En vrai, ça va. Ça fait pas trop dégueu sur ma tête. J'ai pas une tête à bonnet en vrai. Mais voilà. Petit Minella, bah. Voilà, je l'enlève. Voilà, Minelab. En plus, c'est parfait, c'est la marque de mon détecteur. Voilà, je regarde là, mais vous êtes là, donc il faut que je regarde là et pas là. Donc voilà, c'est la marque de mon détecteur, Minelab. Vanquish 440, voilà, tu connais. Et du coup, je fais le lot et je gagne le petit bonnet. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ce qu'il se passe, donc c'est l'association Célia, c'est la vie. Il y avait une tombola pour payer une partie de ses médicaments et tout. C'est une association qui est là chaque année en fait. C'est pour ça qu'elle se rallie, c'est pour cette association. Et ça, je trouve ça génial, voilà. Donc tout le monde a participé de ce qu'il pouvait, ou voilà. Donc ceux qui ont pu participer, ils ont participé donc, pour aider l'association. Voilà, donc il y avait un petit tirage au sort avec 2-3 petits lots sympathiques, des paniers garnis, un détecteur, des trucs comme ça. Ensuite, du coup, on a réussi à récolter à nous tous, on était 150, entre 150 et 200. Ils ont réussi à récolter une super somme qui est de plus de 2000 euros, ce qui est génial pour eux, pour l'association, pour Célia. Et du coup, ensuite... il y a eu la remise des lots de cette tombola. Et ensuite, il y a eu la tombola du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est la tombola du jeu? Du rallye. C'est ça qui est bien, c'est que les pièces n'ont pas servi vraiment pour avoir des gros lots. Donc, ceux qui foncent à prendre toutes les pièces, ça ne changera rien. Ils ne gagneront pas un super énorme gros lot. Ils gagnent des petits gadgets, des trucs comme ça. Mais voilà, des trucs comme ça. Et du coup, le plus important, c'était ce petit ticket-là. Le 70, le 70, c'était mon numéro. En fait, ils mettaient des numéros sur ton bracelet que tu avais autour du poignet la journée. Et du coup, à la fin, ils piochaient dans une petite boîte les numéros. Et du coup, ils appelaient. Et en fait, tu arrivais devant la table, c'est toi qui choisissais ton lot. Et ça, c'est bien. Tu choisissais ton lot et les premiers, ils avaient les gros lots, donc les détecteurs et tout. Et après, tu avais les plus petits lots. Donc du coup... moi j'ai été tirée vers la fin. J'ai pris un truc utile que je n'avais pas, qui me servirait pour plus tard pour le reste de mon aventure en détection. Et c'est une petite boîte juste là. Voilà, petite boîte Garrett. Voilà. Offert c'était détecteur.fr. Voilà. Voilà, petite boîte. Donc là j'ai mes petites trouvailles du rallye. Donc là, t'as la petite mousse et là, t'as de quoi mettre les trouvailles. Et après, t'as derrière pour mettre encore d'autres trouvailles. C'est le côté comme ça, voilà. Donc, je trouve ça sympathique, ça rentre dans ma poche. Il y avait des pochettes encore pour la ferraille, mais je venais de l'acheter il y a même pas une semaine. Donc bon, voilà. Donc, petite boîte sympathique qui fait le taf. Allez, on continue. Je peux le prendre, c'est Et vous allez en conserver quelque chose tout de même. Je vous le dis tout de suite. Faut pas désespérer. Même si vous êtes pas tiré. Donc après ça, il était 15h, 16h. Je pensais que ça allait se terminer plus tard, mais au final ça s'est terminé vachement tôt. On finit de papoter et tout avec le monde. Et du coup, on repart aux voitures, mais avant, on m'a offert un pin-pointeur au calme, comme ça. Bon, merci, tu te reconnaîtras, merci beaucoup. Et voilà, quoi te dire, on t'offre un pin-pointeur, bon. Et ensuite, du coup, on repart aux voitures après avoir terminé cette magnifique journée. Premier rallye, franchement, j'ai trouvé ça génial. Je n'avais pas envie de partir, voilà. J'avais envie de rester détecter encore le lendemain. Mais bon, il faut bien que les bonnes choses ont une fin à chaque fois. Et du coup, on repart aux voitures. Je vous montrais ma voiture de trois parce que du coup, elle est aménagée. Il y en a qui étaient intéressés, donc
J'ai montré ma petite titine. Et bah, y en a un qui m'a offert une gourde. Il se reconnaîtra aussi parce que bah, ils sont abonnés tous à ma chaîne. J'ai gagné 12 abonnés d'un coup, au calme. Et du coup, bah, elle est où? Elle est là. Oh, on m'a offert une petite gourde. Bah, mine est là, du coup, aussi. Donc, pareil, mon détecteur. Hop. Voilà. Inelab Performance. Voilà. Et donc, c'est comme ça que cette journée se termine. Il est 16h à peu près. Je pars en voiture parce que tout le monde partait, personne restait. Sinon, je pense que j'aurais dormi dans le coin, genre papoté avec le monde. Et du coup, bah, je repars. Et bah, c'est la fin. C'est triste, c'est la fin de la journée. Et... bon, bah voilà, fin de la journée. Bon, il y a le soleil dans la gueule. On va essayer de changer. Voilà, comme ça. Voilà. Fin de la journée de détection. Ah, je me suis fait des super copains. Voilà, c'est nickel. Des copains belges. On essayera d'aller. Comment ? À leur rallye. Je vais essayer de poser les jours. Et bah, je vous fais dès que je suis rentrée, bah, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai eu. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est comme ça que ça se termine. Ah, c'était génial. Franchement, j'espère que les prochains rallyes vont être les mêmes. Et je pense revenir à ce rallye l'année prochaine. Donc franchement, merci d'avoir organisé ce rallye. C'était génial. Même si je me suis trompée, franchement, c'est une très bonne expérience. Et je me suis fait des bons amis. Voilà. Des copains, des discussions de détection. C'est ça le meilleur, en fait. C'est, tu discutes avec des gens qui sont passionnés comme toi. Et franchement, vous avez presque les mêmes avis. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Et ils t'apprennent des choses, tu leur apprends des choses. Franchement, bah merci. Merci pour tout et bah, aux prochaines vidéos. Sur ce, c'était Lonix. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine.